Le jury du prix des lecteurs Quai du Poulard 20 minutes avait la charge d'élire le roman jugé le meilleur parmi une sélection de 6 titres des libraires de Lyon. L'an passé, l'événement de cette 13e édition avait été le couronnement d'une romancière québécoise, André Michaud, pour son roman « Bondré ». Cette année, pour la 2e fois consécutive, c'est une femme encore, Gilda Pierre-Santi, qui a l'honneur d'être primée. Bravo. Écoutez, je suis absolument heureuse. Merci au jury. Merci à tous ces merveilleux lecteurs de ces merveilleux festivals. Je trouve que c'est un festival qui a une super programmation. De tous les festivals littéraires, c'est celui où on rencontre le plus de monde, plus de profils intéressants, des rencontres qu'on ne ferait pas ailleurs. Il y a eu du monde tout le temps. Tous les gens étaient curieux. C'est un bon moment d'échange. On sent que les gens sont super contents. C'est pas la fracture, effectivement, entre qui marque beaucoup l'Italie du Nord et qui a été finalement un territoire dominé, qui a été longtemps un territoire dominé. Et où, d'une certaine manière, les organisations mafieuses ont une particularité dans cette histoire de domination. C'è stato un momento nella storia di questa nazione in cui l'imprenditore del Nord ha chiamato a sé la 'Ndrangheta. Nous allons à la Comédie Odéon pour essayer de trouver, d'éliminer un dernier suspect. Le problème, c'est comme on a plusieurs lettres, je me demande s'il ne faut pas me choisir une lettre. Mais je pourrais vous en parler pendant 10 heures, ça me passionne. Peut-être que je vais me tuer. Et donc, il va falloir qu'on trouve quel est ce voleur. Ah, j'ai trouvé, c'est qui? Sur la grande enquête urbaine, il y a une superbe ambiance. C'était super, on a été très bien épaulés. Là, c'est vraiment génial, on voit beaucoup de monde et c'est super bien de lancer les gens. C'est le moteur de mon intérêt et de ma passion pour les faits divers, c'est que derrière un crime horrible, une série de crimes, ou n'importe quoi, il y a des gens, il y a un meurtrier, donc il est intéressant de comprendre quels sont les ressorts, quel est son parcours, de comprendre son histoire, de comprendre éventuellement le déclencheur, la bascule. And the next day, she's gone. No one knows where she is. So that was the idea for Promise Me. Then I said, who is going to tell that story? And I said, well, Myron would say something like that. Myron would make a promise like that and not tell the parents because sometimes he's dumb, like me. And so I decided to bring Myron back. I asked myself, who is the best character to tell the story? And it isn't always readers, but mostly it is. So she sent the manuscript to 6 publishers in London, and the first 5 said no, and the 6th said, yeah, okay.